Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pirate Quartermaster. On se retrouve avec notre nouveau bateau. Je ne sais pas encore si c'était une bonne décision, on va voir. Je pense que c'était probablement pas une bonne décision hein, de prendre ce bateau, mais le capitaine le voulait vraiment et après tout, c'est le capitaine. On est donc avec une voile dans un état assez lamentable. Notre gabier n'est pas de quart, d'ailleurs je pense que je vais peut-être le sortir de son sommeil pour le récupérer. Toi, il va falloir que t'arrêtes de lustrer les canons, pour l'instant on a plus intéressant à faire. Notre bateau est aussi bien dans le mal, hein, forcément il a souffert. On est un petit peu juste en place, on a quasiment plus de tissu. En gros, c'est pas la teuf, vous l'aurez compris. On va récupérer notre gabier. Alors le gabier, c'est la petite particule comme ça. Tu vas là, voilà, bam. Et tu vas au gréement. Parce que il peut nettoyer, enfin réparer de manière plus efficace les gréments puisqu'il est gabier en consommant notamment moins de tissu. Et vu qu'on est un peu en dèche de tissu, bah c'est important. On a deux qui nettoient, on met quelqu'un à la vigie, on va pour l'instant du coup réparer la voile sur ce tour là, hein. on va pas bouger. Notre objectif probablement sera de repartir par là puisqu'il y a des grandes chances qu'on vote pour une carte. Et il y en avait une qui était dans ce coin là et une qui était dans ce coin là, donc il va falloir qu'on refasse tout le tour de l'île. Il nous faut absolument une vigie parce que on est à voile et donc on a besoin d'avoir des informations sur le vent, hein. Si on croise des bateaux et que la force du vent est de 1, c'est même pas la peine d'y aller. Donc on va se tenter comme ça, on répare, lui il est en train de s'occuper des armes, est-ce que c'est bien vraiment utile? Je ne sais pas, c'est pas grave. Notre objectif est toujours d'avoir un moitié de femmes. Hein. Non, on va te mettre aux réparations, faut qu'on répare ce foutu bateau. Donc normalement maintenant on ne recrute plus que des femmes. Et c'est parti pour le petit quart. Alors, il a vu un vaisseau, c'est un pavillon rouge, c'est un navire marchand type cabine à voile, il est moins armé, possède moins d'équipage, la force du vent est de 1 nœud. Ouais. Ouais, non, ça... Ouais, ouais, c'est un navire à voile, on aurait peut-être moyen de lui piquer son truc, mais avec une force de vent de 1 nœud, il va se traîner, ça va être... Ça va être catastrophique, donc non, on laisse tomber. Hop, en plus on a perdu nos mets, du coup, en changeant de truc. On va... filer la bouffe. J'aurais peut-être même pu me permettre deux portions, mais histoire de vider un peu les stocks. Est-ce qu'on pourrait pas mettre un petit peu... Ouais, on va mettre un petit peu d'alcool dans notre charnier. On est hyper lourd, hein, vous voyez l'eau qui est quasiment au ras du pont là. Avec tous nos canons et tout, clairement c'est pas facile. Donc là du coup, le musicien il va au nettoyage. Toi t'es au canon, tu vas au gréement. On va avancer un peu, voilà. On a personne à la barre, le timonier à la barre. Donc ils sont encore en mode un peu n'importe quoi vu qu'on était en train de... On sortait du port, hein. Donc ils étaient en train de s'occuper à droite à gauche. Alors, du coup, là on a quelqu'un qui nettoie, on a une personne en trop qui nettoie, on va envoyer un matelot, j'aimerais bien, à la vigie. Voilà, deux qui nettoient, on s'est débarrassé avec deux nettoyeurs, on s'est débarrassé des tôles d'araignée et tout, donc ça suffit. Il nous faut, par contre, très clairement, réparer notre bateau. Alors du coup, on est carrément contre le vent, on peut pas vraiment aller au nord, à l'est c'est débile. On peut essayer d'avancer un peu vers le sud. Bon, en même temps, la prochaine escale est dans un quart. On va peut-être se permettre de... En fait, on va continuer de glander. On va réparer le bateau et on va retourner à quai. Tant pis, c'est pas grave. On va tourner autour de la ville. Vous voyez qu'on ne peut pas faire escale avant encore un quart, donc on va tourner autour de la ville. Et le prochain quart, on retournera en ville refaire les stocks parce que. Alors, cabine à voile. Le navire est moins armé, à moins d'équipage, ligne de flottaison basse, la force du vent est de 2 nœuds, putain ça souffle pas quoi. On va tenter de l'aborder parce que pourquoi pas. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? Toi, tu vas au gréement très clairement.
On va être 3 au gréement, c'est pas mal. Un maximum de personnes au gréement, un peu aux réparations, un peu aux réparations à la barre, au canon, au canon, au canon. Au niveau des armes, on va distribuer un peu. Voilà, parfait. C'est parti. Allez, faites comme vous le souhaitez. Alors, du coup, on vise les voiles. Non, la coque, tu veux qu'on vise la coque? Les voiles, on est d'accord. Feu. Boum. Chop. Boulet ramé. Merde, je me suis pas couché. Plus de marins au gréement. Toi, t'es déjà au gréement. Toi, tu glandes. Au gréement. Feu. À couvert. Ils ont des gros canons, ces petits cons. À couvert. Aïe, ils nous ont détruit un canon. Recharger. À couvert. Feu. Il nous faudrait un peu plus de monde au gréement encore. Toi là. Aux réparations. Recharger. Feu. Vous voulez pas me faire tomber ces... Toi tu fais rien là. Aux réparations. Répare. Feu. Ouais voilà, avec un... avec deux de... couvert. Avec deux de devant, on n'avance pas. On est d'accord. On vise le bordé, boulet rond. On crame nos boulets parce que on est en boulet ramé, comme on me l'a fait signer dans les commentaires. On consomme deux boulets par tir, puisque c'est des boulets reliés par des chaînes. Et c'est géré dans le jeu, du coup on l'a dans l'os. Tu fais rien toi? Ah non, si t'es au gréement. À couvert. Allez, feu. Boum boum. Les voiles. On recharge, à couvert. Attends que ça refroidisse un peu, on recharge. On manque d'une infirmerie, hein, bien sûr. Donc on galère un petit peu, on a notre blessé là qui est dans le mal. Et feu. À couvert. Recharge. Tellement pas vite. Bon, l'avantage c'est qu'ils visent notre coque et pas notre voile, ce qui tombe plutôt bien étant donné qu'on est en déj de tissu. Mais bon. Empanné. Feu. Quoi, recharger? À couvert. Alors, la coque. Recharger. À couvert les gars, ils ont un petit canon. Mitraille, feu. On recharge. Feu. Allez, à couvert les gars, ils nous tirent dessus. On recharge. Et vous, réparez-moi plus vite ce foutu bateau là. Bon, j'avais prévenu, hein, avec une force du vent de 2, ce serait pas hyper palpitant comme poursuite, hein, mais mine de rien, on s'en tire, donc on arrive à réparer notre bateau avant qu'il ne... enfin, plus vite qu'il ne font du dégât. En plus, ça consomme un petit peu de bois et compagnie, d'ailleurs on voit que notre bois est même bien consommé. Allez, à couvert, on va mettre un dernier tir, et je pense qu'on va
arrêter de tirer, on devrait les rattraper là, normalement. Et vu qu'ils ont juste un tout petit canon, c'est pas non plus la mort. Empané, allez go, chopez-le! À couvert. Alors là, ils ont un gros canon par contre. Attention, ça peut piquer. Mais on les chope, c'est parti! Feu! Oh non! Le mousquet qui m'explose dans les mains. Tant pis, on va taper à l'ancienne avec nos poings. Ok, c'est bon. Saisissez tout ce que vous pouvez, laissez-les partir, nous attirons pas la reine. Cela vous convient-il? Oui, carrément. Alors, un gabier. Ah, ce serait intéressant un gabier, mais il faut vraiment qu'on embauche des femmes. On va devoir refuser. On va devoir refuser malheureusement. Alors, bon, la bonne nouvelle c'est qu'on a des gros canons pour remplacer nos canons cassés. On va également pouvoir en prendre un de plus. On a un bon stock de boulets, il y a du charbon, est-ce qu'ils ont du tissu? Oh putain, ils ont pas de tissu. Ils ont tout utilisé pour leur propre voile. Il y a des vivres. D'un autre côté, on est déjà bien blindé en vivres. On a trop dur, on a combien? On a 8 tonnes de vivres, 8 tonnes de vivres, 5 tonnes de vivres. Il nous faudrait placer l'infirmerie absolument aussi. On va devoir la mettre. On va mettre les branles là, on a ce qu'il faut comme branle. Donc les vivres on va sacrifier, l'or il faut qu'on le prenne bien sûr. Il nous faut le tissu et le bois. On peut pas vraiment sacrifier quelque chose. Non, bon, on va laisser tomber l'infirmerie. Je suis désolé pour le mec blessé, mais l'infirmerie, ça sera plus tard. Il nous faut le tissu et on va prendre du charbon. Ça coûte plus cher que les vivres. Et c'est parti, on part comme ça. Et du coup, notre mec n'est pas mort visiblement. Hein. C'est la bonne nouvelle. On répare notre bateau tranquillement. Est-ce qu'on a moyen en allant à l'est de rentrer en ville? Oui, on rentre en ville de toute façon là, ouais, parfait. Ils nous détestent pas cordialement. Non, ça va, ils sont neutres pour l'instant. Allez, on y va. Il faut que on achète du tissu. Nous partirons avant midi, non? J'aimerais bien au moins 4 quarts. Il faut que les gens guérissent. Non, bon, ok, très bien. Alors, une matelote, on engage. Et là, un matelot, non, on m'engage pas. En plus, c'est le matin, donc il n'y a même pas le... Il n'y a même pas le marchand. C'est la tristesse, c'est vraiment la tristesse. C'est sacrément la tristesse. Alors... Au niveau des branles, on a juste ce qu'il faut. On va vider le charnier. Et on va mettre des gens au puits. C'est parti. Est-ce qu'on a notre gabier qui est disponible? J'ai pas l'impression. Matelot, c'est pas le gabier que j'ai envoyé. Non, c'est le chauffeur que j'ai envoyé. T'es là-bas, gabier. Ouais, c'est lui-là. C'est lui notre gabier, donc du coup ça sert à rien de réparer les voiles pour l'instant. D'ailleurs je suis même pas sûr qu'on ait ce qu'il faut. Non, on a pas ce qu'il faut. Aux réparations, on a des trucs à réparer, on a pas de trucs à réparer. Du coup ça va être les canons. Les canons les gars, de qui nettoie. Toi tu fais rien. Tu vas t'occuper des armes, parce que nos armes mine de rien elles se cassent aussi hein. L'apeuré est mort à cause d'une maladie. Ah non, c'est la tristesse. Ouais, je donne pas suffisamment de médicaments. Hein. Le pavillon bleu, ça me va. Oh, on verra pas le marchand, quoi. Bordel. Quel drame. Ouais, t'as vraiment moyen de faire, toi. Hein. Bah du coup, tu vas nettoyer. Oh, quoi, t'as pas besoin. Tu vas aller... au canon, toi
Au canon, toi aux armes, et toi au canon. Allez, c'est parti, et toi tu glandes. Vous êtes au moins deux à nettoyer là, un, deux à nettoyer, ouais c'est bon. Du coup, non, du coup il nous faut quelqu'un au puits. Au puits. N'oublions pas de remplir notre eau. Capitaine, assure du bastinquage, je suis venu à l'adage, m'a-t-elle dit en riant. Crânement, elle m'a sorti un parchemin de sa sacoche. C'est une carte qu'elle a obtenue d'un marchand. Lorsqu'elle a formé le mot obtenu, elle a émis un sourire qui justifiait sa baignade. Encore une carte. Ah, c'est moins loin ça. On a tellement de cartes. Ouais, ça me paraît bien. Ça me paraît très très bien ça. Alors, il nous faut un max de tissus. On a 10 en boutique. On va mettre tout le monde à portée, hein. Il nous faut beaucoup de tissus. Il faut qu'on vende notre charbon. Tout notre charbon, on va pas faire chier. On va vendre notre alcool. On a combien à porter là? 30 tonnes à déplacer. On a combien de personnes disponibles dans ce car? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut donc porter 6 x 2, 12. C'est pas énorme, hein. C'est bien 2, hein. C'est bien 2, c'est bien 2. 2 tonnes, ouais, ok. Et il veut qu'on parte, on a fait 3 quarts. On est babordé, ouais, il me semble qu'on a fait 3 quarts, hein, donc du coup on va faire 12, tant pis. Donc la priorité c'est le tissu. Mais il faut qu'on fasse de la place aussi. On va faire de la place environ du charbon, donc là on prend 12. On va prendre un peu moins de tissu, on va prendre 5 de tissu, ça sera très bien. Contre 5 de charbon. Au niveau du bois, il nous en faudrait un peu. Donc on va prendre 2 de bois. On est à 12. Allez, on paye. C'est parti les gars. Au doc. Au doc. Au doc. Au doc. Au doc. Tout le monde est au doc. Si je regarde là. Ah, il y a un mec au puits. Au doc. Voilà, c'est parti. Normalement, on a tout fait. Alors, canon à vapeur, la force du vent est de 3 nœuds. Non, bah non. Non. Non, ça me sous-écoupait. Ah bah non, du coup, notre argument n'est pas suffisamment convaincant pour le capitaine. On va donc poursuivre un bateau à vapeur avec un vieux avec un vieux vent, mais la bonne nouvelle c'est quand même on est quand même plutôt bien équipé. Alors du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6 au canon, on a quelqu'un à la barre, c'est notre timonier, il nous reste donc un timonier. On augrément 1, 2 et 3, pas mal, on a quelqu'un à la vigie. Du coup, tu vas aller aux réparations, ma chère. C'est parti, go, on avance. Ouais. On empanne, on vire de bord. Boulet rond. Feu. On recharge. Feu. Voilà, on a bien endommagé leur machine là déjà. Il y a un bug visiblement avec les mecs qui doivent aller aux réparations à couvert. Feu. Recharge. Plat ventre. Par contre, nos voiles, c'est franchement pas ça. Recharge. À couvert. Feu. Ils sont presque arrivés à leur sortie là. Feu avant qu'ils tirent. Parfait, la coque. Recharger à couvert les gars. On va pas tirer à boulet ramé sur la coque, ça suffit. Ah, t'es relou. Allez, finissez de recharger. Feu. À couvert.
et après vous rechargez. Boulet rond, ouais, je préfère ça. À couvert. La machinerie. Ah putain, ils regagnent tellement d'avance quoi. Dès qu'ils ont réparé cette foutue machinerie. Couchez-vous. Rechargez-moi ces canons. Forcément, avec un tel vent aussi là, on est en galère quoi. En plus, ils nous cassent nos voiles. J'avais dit, capitaine, c'était une idée de merde. Allez, finissez de recharger. Ils se rendent. Oh, c'est possible ça? J'ai presque envie de leur prendre hein, leur bateau là. Hein. Récupérons tout ce que vous pouvez et coulez le navire. Bon, on peut pas le prendre tant qu'une. Je pense que si je contredis, je peux pas lui proposer de le prendre. De toute façon, on a cramé tout notre charbon, donc allons-y. Qui c'est qui nous rejoint? Un timonier? Non, il nous faut des femmes, je suis désolé, c'est comme ça. On a pillé plein d'armes, mais on en a pas perdu puisqu'on n'a pas combattu. C'est parfait. Je veux des gros canons, j'ai pas pu en vendre, tant pis, c'est comme ça. Alors, de l'or, déjà on prend l'or. Ça, il n'y a pas de problème. Des boulets. Les boulets, on prend. Le charbon, l'alcool. On a un truc vide. Hein. On peut prendre des vivres, ils en ont plein. A-t-on besoin encore d'autant de vivres? Je pense pas. Un petit peu de charbon, on va blinder l'alcool. Voilà. On va pouvoir remplir un petit peu notre charnier avec de l'alcool d'ailleurs, ça leur fera un peu le moral. Et on est pas mal comme ça. On est pas mal, on est pas mal. Et c'est l'heure de filer à manger. On va leur donner deux portions. Hop. Ça fera bien le taf. J'aurais peut-être dû reprendre l'eau quand même. On croule sous la bouffe, hein, donc on s'emmerde pas. On donne à manger. Alors, réorganisons un peu tout ça du coup. On ajoute un petit peu d'alcool. Allez, hop, voilà, 50% d'alcool. C'est la teuf. Il nous reste encore tout ce qu'il faut comme vivre. On a un petit peu de charbon si on veut commercer. Au niveau de nos voiles, dans quel état elles sont nos voiles? Alors, faut qu'on remette les gens. Toi, tu vas au gréement. Toi, tu vas aux réparations. Y a rien à réparer, on a tout réparé, parfait. Tu vas au nettoyage du coup. Il nous faudrait une vigie. C'est pour toi. Il nous faudrait plus de gabier. Toi tu vas au gréement. Toi tu vas... Ah, on n'a pas de timonier sur ce quart. Non, c'est pas là. Notre timonier, il est au tribordais et on est le quart du tribordais. Donc on a un timonier quelque part qui se cache. Ce serait pas toi, si c'est toi. À la barre, toi tu vas au gréement. Et là on est comment? On a deux qui nettoient, trois au voile. Qui sont bien dans le mal, hein, donc on va les réparer un coup. Un à la vigie, un à la barre. Et deux qui nettoient, on va leur demander d'enregistrer les positions. Voilà, et on va en profiter pour faire un petit tour d'ailleurs. Ah putain, il y a la pop-up devant, voilà. C'est bon, il a bien pris nos postes de combat. Même si j'ai l'impression que les réparations sont un petit peu buggées. C'est pas grave, on va faire avec. Notre trident, je sais absolument pas à quoi il sert. Hein, c'est... toi, tu prends une hache, mon cher. Et on a tout le monde qui est équipé, ça faisait longtemps et ça fait plaisir. J'ai bien envie d'envoyer, de mettre quelqu'un à s'occuper de des armes d'ailleurs, mais bon, pas tout de suite. D'abord on va réparer les voiles. On consulte la carte et on va commencer à aller vers l'est. Non, moi je vais aller vers l'ouest effectivement. Si on pouvait sortir de cette zone, ça serait quand même cool. Alors, un pavillon bleu, c'est un navire marchand de type canon à vapeur, il est moins armé, moins d'équipage, ligne de flottaison basse, on pourrait l'approcher aisément grâce au pavillon et la force du vent est de 4 nœuds. Ouais, on y va, ouais, carrément, on y va. Allez, c'est parti, les gars. Boum! Oh,
on vire. On vise les machines, boulet rond, feu. On recharge. Les mecs qui glandent, on a dit c'est aux réparations. Oh merde, putain. Au canon. Feu. Faut penser que pendant qu'on clique, il faut quand même s'occuper là. Toi là. Feu. Toi tu vas aux réparations, tu fais rien. Recharger. Détruisez-moi ces foutues machines, bordel! Ça y est, on y vient. Ils ont pas de canon du tout, hein. Donc on peut se faire plaisir tranquillement. On détruit les machines uniquement pour pouvoir les rattraper plus vite. La coque. Mitraille tu veux? Ok, mitraille ça me va. Feu. On recharge, on dirait qu'ils sont 4 dans leur petit bateau là. Ils se rendent, parfait. Propre, très très propre. Donc c'est tout l'intérêt de continuer de tirer quand on peut hein. Au bout d'un moment si on est prêt de les couler et tout, juste ils se rendent et puis c'est fini. Alors ils veulent qu'on coule le navire, ça me va, les bleus de toute façon. Un chauffeur, bah non du coup encore moins. Encore moins, encore moins. On récupère l'eau, voilà. Et alors au niveau du reste, des boulets, on refait notre stock de boulets, parfait, boum, il faut toujours des boulets. Ils avaient mis tous leurs canons sur le même côté, c'est un peu dommage pour eux. Du bois, ah ils ont plein de bois, ça c'est bon ça. De l'or bien sûr, on prend l'or. Après, du charbon, vu qu'on a de la place, on va le prendre. C'est franchement juste un commerce pour nous, hein. Je me demande si le 12, c'est pas l'argent à côté. 45U. Je suis en train de me dire que je sais absolument pas ce que c'est que ce chiffre juste à côté. Là. 29U, 45U, 12U. Si je change, là, si par exemple j'enlève ça. Non, 500, ça doit être le poids ou un truc du style. Bon, le métal pour l'instant on en a pas besoin. Les vivres on va les prendre parce que ça serait con de les laisser. L'alcool là on va le prendre parce que ça serait con de le laisser. Donc notre objectif maintenant c'est qu'on est tellement blindé qu'on rattrape personne, mais que si on peut leur mettre suffisamment de coups de canon, et bah ça les calme. On a piqué quelques petits trucs. Partager le butin, bah oui allons-y, pas de problème. On a 1910 de primes à prévoir. Ouh, ça pique. Ils ont été efficaces nos mecs. Ah, ça va faire une petite part du coup, hein. Forcément. Risible la part, ça va leur péter le moral, hein. Ça va leur péter le moral. En même temps, à 1000 la jambe perdue. Hein. Allez, c'est parti. On paye la prime. On paye la prime. Toc, toc. Un navire repéré, une main gauche perdue. Un œil perdu. Deux navires repérés, bien joué. Un navire repéré, c'est propre. La jambe droite perdue. Allez, on te la paye ta jambe droite. Tu te plaindras pas comme ça. Une nouvelle chasse partie. Ah, bah pourquoi pas, on pourrait peut-être diminuer un peu les primes. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, parce que là ça pique les primes. Hein. Alors, est-ce que on pourrait tolérer? Non, ça, ils aiment pas trop ça. Non, les musiciens, même l'équipage, ils préfèrent que les musiciens jouent. Hein. De voir ce qu'il faudrait pour que le pour passer l'intérêt de l'équipage à grand, mais à mon avis il faut leur affiler la thune hein. Quatre ports du butin c'est suffisant.
de part. Ouais, ça c'est bof, on s'en fiche un peu. Pas de majoration des primes, allez c'est parti, on tente. D'ailleurs le navire pendant que vous y êtes, ah merde j'ai pas fait gaffe, ça a dû passer à bas avec la dernière truc. Oups. On a la renommée d'un impact du boulet maintenant. A fait du bruit mais parmi tant d'autres, c'est déjà mieux qu'une fissure de guéridon. Ok, c'est pas si mal, notre voile est dans quel état? Potable. Pas fifou mais potable. Comment est le vent? Nous on va aller plein ouest. C'est de la merde du coup le vent. On retourne en ville? Allons-y. Parce que pourquoi pas. 5 quarts ça me va. Si on pouvait si on pouvait réussir à faire quelques trucs. Bon il fait toujours nuit. Ça fait chier. Qu'est-ce qu'on a? Une musicienne, on prend. Une matelote, on prend. Il est plein le navire. Ah bah oui, il est plein le navire, forcément. Il est plein notre navire. Organisons ça un peu mieux. On a un arabe ici. Du charbon, du tissu, l'or c'est vide. On sacrifie quelques vivres. Et un peu de charbon, c'est très bien. J'aimerais bien vendre quelques canons parce que c'est très très lourd. Allez, on prend la matelote, j'aurais peut-être dû regarder ce que c'était le dernier quand même au cas où. Une musicienne, bon du coup ce sera plus tard parce qu'on a plus trop la place je crois. Celle-là. Ah si, il nous reste une place pour une musicienne. En avant. C'est parti. Et là du coup, on commence à être bien plein. Hein. Alors, pour les postes de combat, à la musique, et à la musique pendant les combats, ça sert pas forcément à grand chose, mais c'est pas très grave. Est-ce qu'on aurait pas une autre musicienne? On a 4 musiciens. Où sont nos autres musiciens? T'es au canon, toi. T'iras à la musique, et toi, t'iras au canon. Voilà. Parfait. En termes d'équipement, qu'est-ce que vous avez de beau? Rien. Toi t'es quoi? Aucune information pour l'instant, on sait pas ce qu'elle sait faire forcément, elle débarque. Tout le monde est armé, hache, sap, poignard, lance, hache, mousquet, toi t'as rien toi. Tu vas prendre une hache. Et c'est parti! À la musique ma chère! Toi tu vas aux armes. Aux armes. Le chauffeur il va au canon. Toi tu vas à la musique. À la musique, et toi tu vas au canon. Et il y en a encore qui glandent, hein. On commence à avoir du monde. Derrière j'en vois un qui glande là. Ah non, il y a 3 musiciens. Ah oui, ils sont tous des musiciens. Parfait. Allez, il faut mettre que le jour se lève et qu'on puisse choper le marchand. Ah, on met les voiles, c'est un ordre, cette ville ne vaut même pas un quart d'escale. Il a rien trouvé, c'est ça? On part maintenant, ok. Bon bah... partons alors. Partons, partons capitaine, c'est bon, pas de soucis. Alors, 7 votes pour la carte, 6 votes pour la ville, 5 votes pour le navire, la carte l'emporte. Bah du coup on va aller à la carte. Alors on commence à avoir beaucoup de monde, hein. Il va falloir se servir des trucs, reprenez vos positions et tout là. Parce que ça va devenir compliqué. Mais on va s'arrêter là pour cet épisode, il est suffisamment long. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.